Bien, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le serveur IVMC. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle le Defrun. Donc vous allez voir cela tout de suite. Voilà, le Defrun. Alors, le principe de ce jeu, bah, c'est de s'échapper le plus vite possible d'une certaine zone en évitant de nombreux pièges. Bon, j'ai pas encore compris toutes les subtilités, hein, mais là j'ai fait quelques parties. Bon, grosso modo, je connais le principe. Alors, on va essayer d'aller déjà dans une partie avec pas mal de monde, celle-ci. Hop. Voilà, alors maintenant, on peut voter pour une carte. Bon, d'ailleurs, la zone d'attente est assez sympa, hein, déjà. Donc, il y a plusieurs cartes possibles. Pour l'instant, j'ai fait la prison. Enfin, je connais que la carte The Prison. Puisque les gens avaient voté pour, hein, tout simplement. Là, apparemment, c'est plutôt la 1 qui se dégage. Donc je la connais pas, hein, ça tombe bien. Ah, ok, d'accord, ça commence bien. J'ai été viré pour faire de la place pour... Ok, d'accord. Bon, on va aller sur celle-là. Hop. Donc voilà, je disais, on vote pour une carte, hein, il y en a 6. Ouais. Et comme je disais, donc The Prison, je connais déjà. Alors, dans ce jeu, on peut être jusqu'à 22, il me semble. Enfin, je crois que c'est... Ouais, c'est 22 ou 24, je sais plus. Est-ce que c'est marqué quelque part? Enfin, bref. Non, apparemment, c'est 24. Et donc les pièges qui seront présents dans la zone dont nous devrons nous échapper seront activés par des morts. Des joueurs considérés comme morts. Alors je sais pas trop si c'est bon si ce sont les joueurs qui ont épuisé toute leur vie. Ou tout simplement oui, je crois que c'est deux joueurs désignés au début ouais, qui Ah bah voilà, d'ailleurs j'en fais partie. Voilà, you are diff. This game, you are deaf. Voilà, alors mon rôle c'est de contrôler les pièges et je gagnerai des points. Voilà, on peut activer des pièges, il y a un panneau à côté pour expliquer. Les coureurs peuvent réapparaître jusqu'à leur dernier checkpoint. Voilà. Donc en fait là, ouais, donc on est bien deux morts contre 20 ou 22 coureurs. Donc voilà, on est deux là et tous les autres sont d'autre côté là. Donc eux, ce sont les coureurs, donc ils vont devoir s'échapper. Et nous deux, là, notre objectif sera de les en empêcher, hein, en activant les pièges. Donc c'est bien, on est sur la carte Sonic, donc je la connais pas. Voilà, c'est parti. Alors ce piège-là, déjà, Fire Arrows. On va attendre qu'il passe, hein, pour tirer les flèches. Voilà. Alors je sais pas si on peut le faire plusieurs fois. Apparemment non. Ah oui, ils me disent d'attendre. Ouais, bah sauf que c'est trop tard. Ah ici c'est Fire Snake. Bon, apparemment tout, enfin presque tout le monde était déjà passé. Ah tiens, j'ai réussi à tuer quelqu'un apparemment. Ouais, Fire Snake va y se vivant. Voilà, on passe à la suite. Celui-là Fire Piston. Bon, je crois que c'est, il a déjà été déclenché, hein. Destroy Floor. Ah bah celui-là c'est bon. Par contre, il faut que j'essaye de rattraper l'autre mort pour pouvoir en faire un peu aussi, parce que sinon... Ah bah voilà, il est là. Hop. Alors celui-là, Wine TNT, on va attendre qu'il passe. Ouais, qu'il y en ait deux. Ah bah il y a déjà un joueur qui a fini. Du coup... Voilà, ce piège-là, il était déclenché, c'était une inondation. Il y a déjà un joueur qui a fini. Du coup, ça va se terminer dans 60 secondes. Alors ici, c'est pareil, on va attendre qu'il passe. S'il passe, ah, il y en a un. Ouais. Voilà, ensuite, là, c'est Remove Guide. Remove Guide, ah oui, bah c'est le... Ouais, je sais pas ce que c'est, en fait. C'est un passage, sûrement. Flame Arrows, il a déjà été déclenché. Ah, je crois que je peux le redéclencher là parce que le bloc a changé de couleur.
Non. Bon. Ici, c'est Destroy Parcours. Déjà déclenché. Là. Ah, pour faire fondre la glace. Déjà déclenché. Faut attendre. Je sais pas combien de temps il faut attendre. Hein. Voilà, c'est fini. Donc le premier, ouais, ah, c'est bien foutu ça d'ailleurs. Le premier, c'est voilà, King John Butter. Alors, le bilan de la partie. J'ai gagné combien de points? J'ai gagné un certain nombre de points, oui, sûrement. Ouais, j'ai activé, je sais pas si c'est moi, je pense que c'est moi, j'ai activé 5 pièges, 24 points. J'ai pas dû gagner de tokens, je crois que c'est que, ouais, c'est que les coureurs qui gagnent des tokens. 23 sur 24, on va réessayer là, hein. Mais je risque encore de me faire virer à cause d'un VIP ou membre de l'administration. Voilà, faut quand même que je montre une partie en tant que coureur. Ouais, sympa comme jeu en tout cas. Hein. Alors là, apparemment, ouais, on va encore faire du Sonic. Je vais plutôt voter pour High City. Ouais, c'est celle qui semble. Ouais, je crois qu'on va, ouais, on va refaire la Sonic. Bon, c'est celle qu'on vient de faire, mais c'est pas grave parce que là, je serai coureur. Enfin, je serai coureur. Il y a 22 chances sur 24. Bah, putain. D'ailleurs, j'ai encore été. J'ai encore été désigné comme mort, il y avait 2 chances sur 24. Bon, on va attendre qu'ils arrivent. Ah oui, j'ai pas l'intro. D'accord, expérimenté déjà, bah dis donc. Non, j'ai pas l'intro, bah du coup, c'est oui, il faut attendre parce que eux, ils sont en phase de présentation. Et moi, je peux déjà me balader, en fait. Voilà, donc il faut encore attendre 24 secondes. Ah non, d'accord, on revient ici, ok. Voilà. Bah c'est bon. Ouais, early release, ils vont bientôt être libérés. Il a déjà. Ouais. On va essayer de l'activer au bon moment. Ouais. Je peux pas le redéclencher. Made a grave mistake. Ouais. Ici, c'est. Ouais, faire un Fire Snake. Ah. Ah bah voilà, j'ai réussi en. On élimine. Ah, bah, il y avait là aussi, j'avais pas vu. Explode TNT. Sauf qu'évidemment, il y avait personne, donc. Ah, j'ai eu un achievement. Ouais, d'accord, 6 points. Ah, est-ce que j'ai tué 3 personnes en même temps? Ah, voilà. Ouais, c'est quand il est vert, en fait, qu'on peut l'utiliser. Ouais, il est rouge, après il passe au jaune, voilà, et puis au vert, et c'est que quand il est vert, ouais. Le bloc des pièges. Alors, celui-là, on peut l'utiliser. Par contre, s'ils y vont pas, allez. Bon, sinon, ça peut durer longtemps. Hein. Ouais, si... bah, de toute façon, encore fin dans... Ah, j'ai gagné encore un token. Fin dans moins de 60 secondes maintenant. Create Blockade. Ah oui, c'est là, ok, bon. Ici, c'est pour détruire le parcours. Ouais, j'en élimine pas mal. Spawn Giant. c'est assez là la suite. Là, Destroy Rain TNT. Ah, j'ai encore eu un. Ah oui, il fallait que je tue au plus de 5 personnes, ok. Rain TNT. Flute Play. Ouais. Pourquoi pas? Ah, il est passé. Ici, c'est quoi? C'est. Ouais, encore de la TNT. On va attendre qu'ils arrivent. Tiens, il faudrait que j'arrive à me cacher en fait. Je sais pas si. Ouais, bah c'est fini de toute façon. Il doit y avoir moyen de se cacher aussi pour pas qu'ils voient que je m'apprête à activer le piège. Et donc, encore un token. Ouais, du coup, j'ai gagné quelques tokens. 10 pièges activés. J'ai tué 10 personnes. Ok.
20 points. Bon, cette fois-ci, on va quand même essayer d'avoir une autre carte et de jouer en tant que coureur, parce que bon, c'est vrai que pour l'instant, on a fait que le. On a eu joué que le rôle du mort. Alors, peut-être de l'autre côté. Ouais, on va aller là, 14. Welcome to Death Run. Bon, alors j'espère que ouais, cette fois-ci, on n'aura pas la Sonic. Même si je ne l'ai pas encore faite finalement en coureur. Alors, où on en est là? Ouais, Cave, tiens. Ah, il n'y a pas Ice City là. Ouais, il doit y en avoir plus de 6. Ouais. Bon, on va voter pour celle-là. Ouais. Il n'y a pas Ice City. Je l'avais vu tout à l'heure là. Il doit y en avoir plus de 6 des cartes. Ce qui n'est pas plus mal. Tout simplement pour éviter de rejouer sur les mêmes. Parce qu'après il suffit qu'il y en ait une qui soit plus plébiscitée que les autres, et les autres on les aura jamais quoi. Bien, cette fois-ci je vais être en tant que. Je vais jouer en tant que coureur. Tiens, on peut déjà bouger d'ailleurs. Tout à l'heure on pouvait pas. Voilà, les deux morts partent de là. Donc c'est là qu'on était avant, hein. Maintenant on va jouer de ce côté-là. On est encore sur la Sonic. Mais bon, là au moins on va pouvoir faire le parcours. C'est bien ouais, c'est bien la Sonic, ouais, pour une fois. Voilà. Ouais, bah du coup, j'aurais pas eu l'intro couvreur en vidéo. Parce que j'ai déjà joué deux fois dessus en fait avant la vidéo. Du coup, maintenant il me le montre plus. Sonic. Ouais, bah dans 10 secondes, c'est parti. On va pouvoir approcher. Il y a une fonctionnalité aussi pour moins voir les autres joueurs, hein. Ça peut être pratique. Parce que. Voilà, on va le mettre. Voilà. Donc ça c'est le truc des flèches ici. Le truc de feu. C'est où la suite? Ah, faut sauter. Bah oui, c'est vrai, les blocs d'émeraude, ouais, faut sauter. Merde. Déjà, je suis un peu en retard. Ah bah zut. Voilà. Par là, ici c'est le truc de TNT. Ah si c'est du parcours. Bon là, et merde. Et du coup je me retrouve là, c'est bon. On peut aussi se déporter sur la droite ou la gauche, même en arrière avec ces petits cubes verts là. C'est des têtes. Oh putain, je. Bon là je suis pas très bon, hein. J'aimerais bien quand même aller un peu plus loin. Parce que ouais, je suis sûrement le dernier en fait là. Ouais, voilà. Hop. Bon, du coup, l'avantage c'est que tous les pièges ont déjà été déclenchés. Hop. I love. Ah, faut aller là. Oh, bah, dis donc, c'est. Hop. Alors ensuite, non c'est pas là. Si c'est là. Okay. Alors danger, ouais c'est le fameux endroit où il y avait la TNT. 12 points. Bon, on continue. Du coup, j'ai aucun piège. Ah, leap of faith, c'est le saut de la foi. Ah oui, en fait, d'accord, on est obligé de rester sur le au-dessus de ce truc-là, ok. Ouais, c'était ce qu'ils appelaient le guide. Hein. Ah, il doit y avoir quelqu'un pas loin devant moi, ouais. Oh, du coup, c'est bien, j'ai eu aucun piège. Ah, s'il y a quelqu'un qui a activé le piège justement pour retirer les blocs. Ah, ouais. Bon, c'est fini, hein, voilà. J'ai gagné 18 tokens, ok. J'ai fini combien? Bah, j'ai pas fini en fait, hein, parce que la partie s'est terminée. Je suis pas allé au bout. Hein. Voilà.
Bon, on va essayer de faire une autre carte. Non, trop tard. Celui-là, peut-être. Ah, je crois que là, on va avoir une autre, la Western. Du coup, on va voter pour elle. Voilà, voilà. Comme cela, vous en verrez aussi une autre. Western, ok, très bien. On va pouvoir jouer. Oh putain, j'ai. Je me suis encore fait virer là. C'est le risque quand on va sur une presque pleine déjà. Allez, celle-là. Bon, on va quand même s'en sortir. Ouais, voilà. Là, c'est pas toujours les mêmes, hein. Ouais, Ice City tout à l'heure, elle n'y était pas. Et puis celle-là, Jungle Base Beta, je l'avais pas non plus tout à l'heure. Ouais, bon. Du coup, ouais, bah, j'espère qu'on va pas avoir la même. Alors, oui. The Prison. Ah, c'est plutôt ces deux-là. Ouais, bah, The Prison, je l'ai faite, c'est celle que j'ai faite, en fait, deux fois, tout à l'heure, avant la vidéo. Sinon, c'est Jungle Base Beat. Bon, on va voir une des deux, hein, sûrement. Ouais, bah, celle-là, ok, Jungle Base. Je la connais pas, donc on va voir. Alors, bon, voilà, je joue en tant que coureur. Je sais pas où sont les deux autres. Tiens, ils ont dû apparaître sur le côté. On peut bouger. Ah bah ils sont là. Non, parce que dans la carte The Prison, on était sur des plaques de pression, hein, là, mais on ne pouvait pas bouger. Can toggle, ouais, c'est pratique. Ah bah non, là on peut plus bouger, ouais, bah voilà. Ouais, puis on a le nom à chaque fois, ouais, de la carte, Creator, il y a aussi, ouais, tous les créateurs. Hein. Voilà. On va pouvoir... ouais, parce que ouais, c'est cela, hein, 10 secondes avant, ouais, on peut bouger afin de se mettre prêt à partir. Donc c'est parti. On suppose qu'ils vont nous activer un piège, bah oui, évidemment. Voilà, le sol se reforme. Bon, ici, il n'y a rien eu. Alors ensuite, stage 2. Bah, ils sont où les autres? Derrière ou devant en fait? Ah, la TNT. Bah, ouais, okay. Ils sont déjà devant, mais non, j'ai dû louper un truc. Oh bah pas loin devant, en tout cas s'ils sont devant quand même. Encore de la TNT. Je vais essayer de montrer cela. Ouais, c'est ce qui permet de se déporter sur un côté, donc d'éviter des pièges, hein, éventuellement. Bon là c'est du saut. Ah. Ensuite, là-haut. Ah, merde. Pour le montrer vite fait, hein, voilà ce que cela fait, hein, tout simplement. Bon, j'aurais peut-être dû les garder pour pouvoir les utiliser, mais... Par contre... Oh merde. J'ai toujours du mal à ces trucs-là. C'est Jump 5, d'accord, mais... Ah merde. Bah, alors... Ah oui, ça se termine dans 60 secondes. Ah, ces trucs-là. Oui, pourtant. C'est bien un truc de saut, mais... Ah, merde! Comment faire? Bon, ah. Alors ouais, ils me mettent à droite, hein, mon nombre de vies, le nombre de vies restants et aussi le nombre de joueurs restants. Ouais, le numéro de la partie, mon rôle et tout. Straf. Est-ce que... Bon, il n'y a pas moyen de s'échapper des fois, non? Parce que... Ah, eh non.
Bon, de toute façon, voilà, il reste 8 secondes. Bon, ouais, c'est un peu con. Là, on est resté bloqué. Ouais, c'est... Ouais, faut quand même que je... Peut-être que je m'entraîne un peu sur ces sauts-là, hein. Bien. On va peut-être s'en refaire une dernière, ouais, puis voilà, ce sera tout. GG, hop. Voilà, bah là du coup j'ai rien gagné, je suppose, hein, non. Ouais, j'ai passé deux checkpoints, hein, il me dit. 10 points. Bon. Allez, on essaye une dernière. Voilà, DR4. Ouais, bah Jungle Base, donc c'est celle que je viens de faire, donc ah, bah, j'ai réussi à me coincer, donc c'est bon. Alors, on en est où dans les votes? Ah ouais, c'est la Jungle Base qui risque de... On va peut-être voter pour celle-là. C'est la Jungle Base Base Bitech qui risque de repasser. Oh Sonic, ouais, on l'a faite. Bon, on va sortir du coup parce que c'est pas. Ouais. Et puis du coup, je suis coincé là maintenant. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, on va essayer d'en refaire une autre, parce que la Sonic que je l'ai faite quand même 3 fois dans la vidéo. Puis bon, voilà quoi. Ok, alors, cette fois-ci. Alaranoins, ou The Poisoned. On va voir un peu comment cela évolue. Bon, bah, là, ça va être une des deux, donc c'est bon, hein. Dans tous les cas, une que je n'aurais pas montrée dans cette vidéo. Voilà. Donc, on va laisser faire le vote. Ben, voilà. Alaran bien. Bon bah celle-là je la connais pas du coup hein. Voilà donc là on est coincé ici hein, voilà un peu assis, on peut bouger voilà et comme encore une fois joueur expérimenté donc je n'ai pas la séquence d'introduction mais voilà donc on a encore une petite minute à attendre Ouais, sympa la déco quand même. Hein. Defone. On est bien 24, hein. Ouais, on est 24. Ouais, donc c'est bien deux morts qui doivent nous piéger. Et 22 coureurs. Voilà, 3, 2, 1. On va pouvoir commencer. Ah bah du coup, oui. Ah merde. Ils ont réactivé le piège. Je suis encore parti en retard. Je sais pas ce que je fous quand même. Je suis parti en retard. Hop, on va arriver au stage 2. Allez. On essaye de se grouiller là. Bon, là, il n'y a rien à faire. Non, 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 c'est là. Stage 3. Quicksand. Ouais, et là. Si personne n'active le piège, c'est bon. Ouais, je veux bien que ça charge aussi. Ouais, des feuillages. Oula, des feuillages faibles. Ah merde, je suis point. Ah, c'est bon. Qui doivent ouais, être Oh merde. Ouais, c'est marqué, ouais, 20, encore 20 coureurs, 2 morts, ouais, les spectateurs, ouais.
Bon, en fait, il y a bien toujours que deux morts, hein. Ceux qui échouent au parcours ne s'ajoutent pas aux morts, mais aux spectateurs, hein. Ouais, je pense que c'est bien cela, en fait. Falling Rocks, ok. Bon, encore 60 secondes, on va essayer d'aller le plus loin possible. 10 points, mais ouais, je suis... Oh. Non, ouais, c'est celui-là qui va s'activer, c'est bon. Bon bah, si personne n'active le piège, tant mieux, hein. Hop. On continue. 15 tokens, c'est pas mal. Ah oui, là, c'est les flèches ici. Bon, encore une fois, j'aurais pas eu les pièges. Ah, c'est des escaliers, je sais pas, j'ai pas vu. Ah merde, là il y a quelqu'un qui... Ah ouais, voilà. Je me doutais bien qu'il allait l'activer au dernier moment, mais là il devrait pas pouvoir. Ah bah merde, j'ai pas eu le temps de passer. Bon alors cette fois-ci, ouais bah du coup j'ai pas fini encore une fois. Euh... 54 points, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, checkpoint 5, 3 morts. Bien voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo hein, sur le jeu d'iPhone. Je pense que j'en referai sur ce serveur. Bah, de toute façon c'est AIVMC, hein, bon, j'en ai déjà fait pas mal. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve plus tard pour une nouvelle, hein, je ne sais pas sur quoi, mais on verra bien.